Bonjour. Bonjour. Stéphane. Stéphane. Aline. 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 Nous sommes dans l'hôtel de Laurent Voulzy à Montpellier. Un Laurent Voulzy venu dans le sud dans un but bien précis. Vous savez un peu ce qui va vous arriver ? Je suis un petit peu. Un petit peu. Je vais faire une surprise à quelqu'un. Une surprise destinée à Agnès. Alors ? Alors voilà Agnès. Elle est calme, posée, mais elle a aussi un côté très dynamique, très sportive, très ambitieuse. Et c'est sa fille, Jessica, qui a 22 ans, qui a voulu lui faire cette surprise. Et elle sait combien ça ferait plaisir à sa maman de vous rencontrer. Alors évidemment, elle aime vos chansons, elle trouve les mélodies douces, romantiques. Elle trouve qu'il y a une harmonie parfaite entre les mélodies et votre voix. Et puis bah, évidemment, elle vous trouve beau. Jessica nous dit que vos petites lunettes et puis les dents du bonheur, ça l'a fait littéralement craquer. Et donc ce soir, Agnès et Jessica sont invitées donc chez un ami. À cette soirée, il y aura environ 9 invités. Voilà comment se présente la maison. Voilà l'entrée. Voilà comment ça se dispose. Eux, ils sont tous ici. Dans le salon. D'accord. L'idée, c'est qu'à notre signal, une fois que nous, on sera rentrés dans la cuisine, on demande qu'un disque, en l'occurrence Avril, soit lancé dans la chaîne. Donc le propriétaire, Gilles, va lancer le CD, et bizarrement, juste après l'intro, les plombs de la maison sautent. Tout le monde est plongé dans le noir. Le propriétaire vient remettre les plombs, il retente l'expérience une deuxième fois, il remet le CD, les plombs ressautent une deuxième fois. On sait exactement où se trouve Agnès, parce qu'on a fait en sorte que Jessica, sa fille, l'installe à cet endroit exactement. Elle est dans un canapé. Elle est dans un canapé. À ce moment-là, quand il a remis la lumière, nous, on va parcourir ce long couloir, se mettre en stand-by juste derrière cette porte. Vous voilà. Il remet le CD et pour la troisième fois, les plombs sautent. On est plongé dans le noir. On va passer juste dans le dos d'Agnès et on vous installe à côté d'elle sur le même canapé. C'est vraiment l'intrigue parfaite, hein. La difficulté, c'est qu'on va faire tout ce cheminement vraiment dans le noir. D'accord. D'accord. Moment où vous êtes assis, on lance le top, je vous fais un petit signe, vous démarrez la musique, la lumière s'allume, et là, Agnès est juste à côté de vous. Et c'est parti pour Avril. D'accord. C'est quelque chose, hein. Non, mais c'est impressionnant. Agnès, c'est la jeune femme au centre de l'image. Elle se rend ce soir chez Gilles, l'un de ses amis organisant une soirée. Elle est accueillie entre autres par l'un de nos complices équipé d'une caméra cachée. Bonjour. Bonsoir madame. À peine arrivé, l'un des disques du maître des lieux attire immédiatement son attention. Sauf que Laurent Voulzy, ça n'est pas tout à fait pour tout de suite. De son côté, direction le lieu de la surprise, avec semble-t-il quelques crispations à l'estomac. J'ai presque plus le trac que d'aller sur scène. Ah oui, parce que j'ai pas le trac sur... Enfin, ça va, quand j'arrive sur scène, je suis même content d'y aller et tout ça. Là, j'ai une plus d'appréhension, quoi. Parce que vraiment, cette personne ne m'attend pas. Cette fille-là ne m'attend pas. C'est bizarre. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la surprise. C'est où, c'est là ? D'accord. Il regarde pas par la fenêtre, c'est sûr ? Non, ils peuvent pas regarder par la fenêtre. Tu vas voir, il y a déjà une grosse porte close. Je prends la guitare. Take de guitare. L'équipe vient se mettre en position devant le porche menant à la maison. Faut que j'enlève mon blouson, alors. Tout se passe bien ? J'enlèverai dans le couloir, en bas. Là. J'ai la clé. Donc on va rentrer, toute l'équipe. Attends, j'enlève mon blouson. J'enlève quand ? Dans la cuisine. On l'enlève dans la cuisine. Ah bon, d'accord. D'accord. Allez, viens. Ils sont à quel étage ? Ah, ils sont là, juste là. Fais très attention. Viens, la fille, viens vite, viens vite, viens vite. Dans le salon, Agnès ne se doute absolument de rien. Aucun bruit ne parvient jusqu'à elle. On attend un signal de notre espion intérieur qui va dire « J'ai des fourmis dans les jambes, ça veut dire qu'on peut rentrer, que l'endroit est libre, on peut rentrer dans la cuisine. » Si elle se lève. Non, elle se lèvera pas. Il faut pas qu'elle se lève. Si elle a soif. Oh, mais alors toi, vraiment, là. T'entends ce qu'ils disent ? Oui. C'est que du bon. Ah oui, ils sont pas quoi. Ils sont en train de choisir à manger. Ah. Des parts de pizza, des choses comme ça, je crois. D'accord.
Putain, je sais pas ce que j'ai des fourmis dans les jambes. J'ai des fourmis dans les jambes. C'est parti. La petite équipe, Laurent, on y va. Je te suis. Coupe la lumière, oui, tu me suis. Viens vite, là. Une partie de l'équipe va se mettre dans la cuisine où se trouve le disjoncteur de la maison. Dedans comme dehors, tous les techniciens doivent retirer leurs chaussures pour ne pas faire de bruit. Dès qu'on entend la musique, on coupe le compteur. Et si sur le rouge, tu veux le faire ? Si tu veux. Hein ? Ouais. Attends, pas tout de suite. Non. Jessica, la fille d'Agnès, va maintenant se lever pour demander au maître des lieux de passer Avril de Laurent Voulzy, la chanson numéro 9 de l'album. Gilles, on peut le mettre s'il te plaît ? Oui. C'est Voulzy. C'est Voulzy. Tu peux mettre la numéro 9 ? Merci. Éteins, sur le rouge. Oh là là, oh ! J'ai peur. Gilles vient maintenant nous rejoindre pour réenclencher le disjoncteur. Allez, on rallume. On rallume. Le maître des lieux revient dans le salon pour tenter de remettre la même chanson une deuxième fois. Là, Gilles, tu nous le mets, hein ? La 9. Oui, la 9. Attention. Vas-y, coupe. Ouais. Gilles, est-ce qu'on va l'écouter, cette chanson, franchement ? Vas-y, tu rallumes. Là-bas, tout se passe bien. Vas-y, on rallume. C'est parti pour tout le monde. Nous, on y va. Il y a un ordre. Le moment est venu pour l'équipe de traverser le couloir pour venir attendre juste derrière la porte du salon. C'est là ? Ils sont juste là. Putain, je rêve. Ils sont juste là. Mets-toi comme ça. Tu te rappelles ? On fait le tour. Ouais. Coupe, Christophe. Ça va aller. Ouais, tu me suis bien. En ce moment même, Laurent Voulzy est en train de passer juste derrière Agnès, presque dans le plus grand silence. Il passe devant. Pour venir s'asseoir juste à côté d'elle. Ah, c'est une fille d'Avril, pauvre de moi, une fille difficile. Elle ne veut pas découvrir d'un fil tout ce qu'elle a, ni son cœur, ni son corps. C'est comme ça. Les filles de janvier, on le dit, n'aiment pas garder leurs amis. Au coin du feu, elles se prélassent. Février, mars, voici le joli mois de mai. Les manteaux, on les met jamais. Elles ne gardent presque rien. Quand vient le soleil de juin, en fin juillet, les déshabille. Mais elle, c'est une fille d'avril. Pauvre de moi, une fille difficile. Elle ne veut pas découvrir d'un fil tout ce qu'elle a, ni son cœur, ni son corps. C'est comme ça. Le soleil n'a plus aucun doute, allongé sur le sable doux. En septembre, un autre rêve. Le vent se lève, elles aiment le vent, les filles d'octobre. C'est de l'air qui vient sous les robes. En novembre, il fait plus froid. Serre-moi fort dans tes bras et passons Noël enlacés.
mes ailes, c'est une fille d'avril. Pauvre de moi, une fille difficile. Elle ne veut pas découvrir d'un fil tout ce qu'elle a, ni son cœur, ni son corps. C'est comme ça. Je suis très contente de... Ah bon ? Moi aussi, moi aussi. J'ai été contacté par Jessica. Il paraît que vous aimez bien mes chansons. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. On fait une surprise. Je suis contente de, vraiment de vous rencontrer. C'est... Je suis très très contente. Merci Jessica. Mais comment... Laurent Boulay. C'est incroyable ça. C'est émouvant pour moi là, que... c'est vrai. Hein. Bah oui, mais pour moi aussi. Hein. Non, mais c'est vous vrai. Allez faire quoi? Enfin, après, vous repartez, vous êtes venu. Je repars à Paris, ouais. Ouais. Je suis venu comment? Ouais. Dans un avion, puis je repars dans un avion demain matin. Ouais. Vous êtes venu pour. Oui, pour vous revoir. Pour toi. Ouais. Il est venu pour toi. Eh ben alors, hein, j'espère qu'on va se revoir. Mais oui. Mais il est pas parti, comment? J'ai envie de t'attraper comme ça. C'est bien toi, le regard et tout. Ah ouais, en plus, je ne te verrai plus jamais comme avant, là, c'est sûr. Oh, tu t'en vas, là? Ah oui, oui, enfin, oui, dans quelques minutes. Oui, oui, oui. Oh, c'est dommage. Tu veux qu'on chante un petit truc, je sais pas, moi, a cappella. Tu nous avais chanté quoi, a cappella? Belle île en mer. Je vous fais Belle île en mer. S'il te plaît. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, ces mots, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare, et vous laisse à part, comme laisser tout seul en mer. Corsaire, sur terre, un peu solitaire, l'amour, je le voyais passer. Ohé, ohé, je le voyais passer. Ah oui. J'ai parlé pour tout le monde. Tout comme vous, je connais ce sentiment. Non, mais c'est l'émotion qui remonte, là. C'est... Ah, c'est terrible, là. Je pensais pas que ça allait tant. C'est grâce à toi? Ouais, je sais, mais c'est énorme, quoi. Tu peux pas savoir ce que ça représente, quoi. Pour ta maman? Pour toi? Pour les deux, quoi. Ouais. Pour les deux, franchement, là, c'est là, quoi. Là, je suis contente. Et vous sa part en Caruquera, Calédonie, Ouessant, Vierge des mers, toute seule, tout le temps. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Ben, merci d'être venu juste. Mais non, mais c'est un plaisir. Au revoir, Laurent. Merci d'être venu. Au revoir, Jessica. Au revoir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ben, merci d'être là. Ben non, mais moi, c'était un plaisir. Je vous laisse 35. Oui. Bon, il faut dire au revoir à tous les amis.
à tous vos amis en Gilles. Au revoir. T'as ma guitare alors? Oui. Merci, c'était un moment merveilleux. Partagez, partagez vraiment. À bientôt, bon retour, à bientôt. Bonne nuit. Ouais. Au revoir. Au revoir. Il est parti. Il m'a fait coucou. C'est une fille. Son cœur.